Je pense que à ce moment précis, il doit être quelque part au paradis avec le grand débat, en train de sourire et voilà, de dire que voilà, c'est bien pour moi. Ok, à part ça, je remercie vraiment les femmes parce qu'elles m'ont beaucoup soutenu. Je leur dis merci, ce prix, je le partage avec eux. Et sincèrement, merci, merci à tous présents ici, que Dieu vous bénisse. Et j'espère qu'il y aura l'entrée pour Djembe ici, Djembe Dara. Merci beaucoup. Thank you.
C'est brésilien. Le titre de la note en douceur, cette lutte m'a été offerte en 1964 à La Havane, à Cuba. Je dis bien 1964, elle ne m'a jamais quitté. Elle a joué dans tous les disques Africa Undo, Alpha Blondy, Nayan Kabel, Libre Diabaté et j'en passe. Et même Seko Babilon. Donc l'histoire, à l'époque, le Mali, je suis originaire du Mali, malien donc, marié, comme Jalon l'a dit, à une Guinéenne. À l'époque, le Mali était représenté diplomatiquement par l'ambassade de la République de la Guinée. On n'avait pas d'ambassade à Cuba. L'ambassade se trouvait à Washington. Et un jour, l'ambassadeur nous a appelé, nous dit, il y a un orchestre africain qui va venir à Cuba. On était très contents parce que déjà à Cuba, on nous confondait avec l'histoire de Tarzan, de ceci, cela, parce que nous étions les premiers étudiants africains à La Havane, à Cuba. Donc savoir qu'un orchestre va venir de la Guinée pour représenter l'Afrique, c'était un atout pour nous devant les Cubains. Et c'est là qu'on a découvert, pour la toute première fois, le groupe Bembeya Jazz dans une salle, la salle Chaplin. Je me rappelle encore, c'était en 1966. Voilà. Je vous remets tout ici.
C'était une grande jeune Afrique. C'était une grande cause qui a réuni l'Afrique. Parce que n'oublions pas que 76, c'est une sorte magique de la mort de Delba. Ça a réuni deux meurtres sous son manido. Et le président Sissou Touré a décidé au Sénégal de faire revenir. Il y a eu un événement qui a transcendé les frontières, transcendé les régimes. Comme quoi la musique en Guinée fait toujours accomplir des miracles. Voilà, on vous a déposé à cette histoire. Photo. Ben, merci beaucoup. Photo. Merci à tous. Merci au Lion d'Or. Merci à Monsieur l'Ambassadeur. Ben, les mots me manquent personnellement. On s'y attendait pas du tout. Mais. Ah non. Hein. Mais merci vraiment. Merci et merci à tous nos fans qui nous ont soutenus jusque là. C'est d'ailleurs un second prix qu'on reçoit ce même mois. On a reçu un prix du meilleur album urbain en Belgique, à Bruxelles. Et c'est le deuxième prix de même mois, franchement. Merci à tous, merci surtout à ma structure, MLP Productions, représentée par Ablaï Mbaye et Artou, qui est notre manager. Merci à Benedict Records, merci à tous ceux qui sont ici présents, Gianni Alpha, Bilia, merci à tous, one love, bless. Et je ne saurais quitter la scène sans faire un tiki à la mémoire de mes ancêtres et si les anciens me permettent, bien sûr. Donc voilà. Kobe na wati leima fai. Kobe na wati leima fai. Oh, muna ile yere makasila londo adiwa. Big up. One star. Yes. Merci beaucoup. Au niveau de l'univers.